Bonjour, c'est Madame Péfer. Hier, j'ai demandé à plusieurs amis de me faire une liste de mots sur tout ce qui leur venait à l'esprit lorsque je me mettais à parler d'histoire et de géographie. Parce que quand j'explique que je suis professeure d'histoire-géo, généralement, eh bien, les gens commencent à se demander si je suis pas un espèce de rat de bibliothèque qui étudie une matière complètement poussiéreuse et vieillissante. J'ai obtenu des mots très sympathiques comme curiosité, passion, récit, matière intéressante, mais parallèlement à ça, j'avais aussi des mots comme matière poussiéreuse, apprentissage par cœur, quelque chose de pas intéressant, trop d'informations, des dates, des dates, des dates. J'ai d'ailleurs un petit peu tiqué sur le mot poussiéreux et de là m'est venue l'idée de répondre à cette question. Pourquoi l'histoire et la géographie ne sont pas des disciplines poussiéreuses et pourquoi au contraire ce sont des disciplines extrêmement riches, intéressantes et vivantes. On imagine toujours le prof d'histoire-géo comme un espèce de vieux grincheux qui balance des dates au tableau, des chiffres, des cartes, avec un PowerPoint un petit peu mal fichu. Selon un rapport au Conseil de l'Europe, les pays qui ont alloué le fonds de la scolarisation des enfants sur la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Le genre de prof un petit peu ermite qui passe son temps finalement à lire, à écrire et le nez collé dans les archives. Bon, bref, un espèce de rat de bibliothèque. Pourtant, quand je pense à un professeur d'histoire-géographie ou bien un historien, c'est plutôt l'image d'Indiana Jones qui me vient à l'esprit. Il faut bien distinguer deux choses, l'histoire et la géographie. Attention, ce ne sont pas les mêmes disciplines, elles ne reposent pas du tout sur la même méthode d'analyse critique. D'ailleurs, à l'université, il y a deux pôles différents, un pour l'histoire, un pour la géographie. Ce sont des sciences humaines. Alors, quand on parle de sciences humaines, on parle d'un ensemble de disciplines qui étudient les divers aspects de la réalité humaine, sur le plan de l'individu, mais également sur le plan collectif. C'est le cas par exemple de la psychologie, de la littérature, de la philosophie, de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, de l'anthropologie. Cette expression de sciences humaines remplaçait l'ancienne appellation de sciences morales ou de sciences de l'esprit qui avait cours avant la Seconde Guerre mondiale. Le terme de science pour parler de sciences humaines a longtemps fait débat, tout simplement parce qu'on a longtemps considéré que les sciences devaient obligatoirement reposer sur des faits qui étaient vérifiés. Or, cela supposerait donc que si un fait n'est pas vérifiable et vérifié, eh bien, on ne puisse pas être sur une science. Alors, ça rendrait complètement caduque certaines théories historiques et philosophiques où on n'a pas toujours trouvé, eh bien, de quoi prouver cette théorie. Bref, je m'égare, revenons à nos moutons. Si je reprends donc justement ces deux disciplines, l'histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est une science humaine et sociale qui étudie les faits et les événements du passé. Tout cela à partir de la naissance de l'écriture, qu'on assimile aux alentours de moins 3000 ans, avant Jésus-Christ. Tout ce qui se passe avant appartient à la préhistoire. Ça ne concerne absolument pas les historiens. Ensuite, on a la géographie. C'est une science qui, elle, est centrée sur le présent. Elle étudie notamment la description de la Terre et ses phénomènes physiques, biologiques et humains. Ce qui explique pourquoi elle se décline en trois branches, la géographie mathématique, la géographie physique et la géographie humaine. Les professeurs d'histoire géo étudient et enseignent la géographie humaine, puisque tout ce qui est géographie physique, climatologie par exemple, ou océanographie, est réservée plutôt à l'SVT. D'où vient cette image un petit peu poussiéreuse et vieillissante des historiens ? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à l'université, on a tendance à imaginer un petit peu les historiens comme des rats de bibliothèque, et comme des personnes qui vivent enfermées dans le noir du côté des archives. Ah ! Le couronnement d'Henri IV ! Et on leur oppose les géographes qui eux seraient des personnes de terrain, des gens qui adorent aller au contact de la Terre pour pouvoir véritablement étudier leur espace. Et tout cela donne le professeur d'histoire-géographie qui vit enfermé dans le passé, qui a des cartes dans son dos qu'il ne comprend pas très bien puisque la plupart du temps c'est un historien et pas un géographe, et qui fait écrire des lignes, des lignes, des lignes à ses élèves. Bref, il faut renoncer à cette vision des choses et apprendre à comprendre que non, 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 l'histoire et la géographie ne sont pas des disciplines pleines de poussière. Avant, quand on enseignait l'histoire-géographie, eh bien, on était basé beaucoup sur du par cœur. En géographie, il suffisait de connaître tous ses départements français, ses fleuves, ses mers, ses océans, savoir placer toutes les villes du monde et tous les pays sur une carte. Et en histoire, on demandait d'apprendre des chronologies, des dates, et finalement, eh bien, l'élève faisait du par cœur, puis recrachait son cours. Alors, attention, il ne s'agit pas de faire que de la critique, puisque cette méthode était quand même intéressante dans la mesure où elle permettait d'avoir des bases solides qui, aujourd'hui, eh bien, parfois manquent à certains. Le souci, c'est qu'on avait tendance à être beaucoup dans le par cœur, mais plus vraiment dans la réflexion. Aujourd'hui, l'enseignement de l'histoire-géographie a quand même beaucoup évolué, à l'image d'ailleurs de l'enseignement de toutes les autres matières, puisqu'on est plus simplement dans de la mémorisation. Les sciences de l'éducation et les sciences cognitives ont révélé que les élèves mémorisaient beaucoup mieux, alors à la fois quand ils étaient dans un processus répétitif,
mais aussi surtout quand ils étaient sur des choses concrètes et les choses qu'ils allaient manipuler. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent pour pouvoir intégrer et comprendre. S'ils ne font que recopier et apprendre, eh bien ça ne passe pas, ou alors en tout cas ça passe sur un temps très court, c'est-à-dire que ça fonctionne pour de la mémoire immédiate, mais ça ne s'enregistre pas dans une mémoire à long terme. Ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui la pédagogie de projet fonctionne le mieux pour pouvoir retenir les choses et les intégrer. C'est finalement ce changement de paradigme et de perspective qui a contribué le plus à dépoussiérer l'histoire géographie. Puisque, comme je vous le disais dans le début de la vidéo, ces disciplines sont quand même très vivantes. Si je prends la géographie par exemple, on peut étudier l'actualité, on peut analyser des phénomènes du présent, le déplacement des hommes, les enjeux liés au développement durable, on peut voir comment les politiques adaptent leur territoire pour pouvoir l'aménager, comment les hommes habitent le monde. Si je m'intéresse par contre à l'histoire, on peut analyser tout le passé et s'en servir pour comprendre le monde actuel et le décrypter. Donc il ne s'agit pas de s'enfermer dans le leitmotiv du « c'était mieux avant », mais bien de chercher à comprendre qui étaient les hommes qui nous ont précédés, en quoi leurs erreurs peuvent nous permettre de progresser et d'avancer. En fait, l'histoire et la géographie, si on y réfléchit bien comme ça, c'est une mine d'or. Alors oui, on a l'impression parfois d'être un peu noyé sous un flot d'informations. D'ailleurs, l'histoire, c'est une discipline d'accumulation, ça ne finira jamais, puisque en fait, à chaque fois qu'il y a des nouveaux hommes, on a de nouvelles informations qui vont devenir des informations du passé. Donc c'est finalement une discipline de l'infini. Et on n'a jamais fini de l'étudier, ce qui est trop génial. Je reviens à l'idée que ces deux disciplines sont loin d'être des matières mortes, plates et pleines de poussière. Au contraire, ce sont des matières vivantes. Elles sont vivantes d'ailleurs parce qu'elles parlent des hommes, elles parlent de ce que les hommes ont laissé comme trace sur Terre. Je prends par exemple la géopolitique. Eh bien, quoi de plus actuel? Comme l'histoire du temps présent d'ailleurs, puisque tout est histoire à partir du moment où ça passe dans le passé. Et même si on va plus loin, si on va dans l'Antiquité, la démocratie athénienne ou bien la République romaine sont encore quand même des bases qui servent à construire nos systèmes politiques actuels. Le passé a beaucoup à nous apprendre sur la façon dont nous vivons aujourd'hui et dont nous allons évoluer demain. Enfin, si je reste sur mon professeur d'histoire géo, il faut encore une fois sortir de l'image de ce vieux professeur qui finalement a une vieille carte complètement défraîchie derrière son dos. Maintenant, on a des vidéoprojecteurs. Ils permettent de projeter quoi? Eh bien des cartes, mais des cartes qui peuvent bouger, qui peuvent être interactives. Pouvoir montrer des phénomènes, des vidéos, pouvoir montrer des cartes en 3D. On peut projeter des images, on peut projeter des vidéos, on peut voir des documentaires d'archives. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes! Aux armes! Aux armes! On a quand même énormément de supports à utiliser. On a donc une infinité de possibilités offertes par l'outil informatique. Mais surtout, on n'est plus seulement sur un savoir qui se transmet, du haut vers le bas. C'est plus simplement le professeur qui parle et les élèves qui écrivent. Les écoles publiques acceptent tous les enfants et les considèrent sur un pied d'égalité, sans discrimination et sans leur accorder de mesures spécifiques. Maintenant, on va être sur un échange. Si je prends par exemple moi ma classe et la façon dont je conçois l'enseignement avec mes élèves, ce que j'ai envie c'est qu'on échange, c'est qu'on parle, c'est qu'ils puissent développer vraiment un esprit critique. C'est qu'ils critiquent l'histoire et le passé. Alors attention, par critique j'entends là une réflexion constructive autour de ce qui se faisait avant. Et c'est ça le plus important, c'est de libérer la parole et d'apprendre à développer cet esprit critique. Un petit peu comme ce que souhaitaient d'ailleurs les philosophes des Lumières, qui souhaitaient sortir les citoyens des ténèbres, de l'ignorance, pour aller vers la lumière de la raison. Et c'est un petit peu finalement ce que font les enseignants d'histoire géo. Je dirais pas que tout est histoire géographie, mais presque. L'histoire finalement elle est partout autour de nous. Elle est dans nos monuments, elle est dans nos musées, elle est même dans les arrière-fonds des jeux vidéo ou des récits littéraires. Elle sert à contextualiser beaucoup d'événements qu'on vit. Si je prends par exemple les événements qu'on vit actuellement pendant la crise sanitaire du coronavirus, on peut toujours les mettre en parallèle avec la grippe espagnole ou avec la peste et la manière dont on a traité les choses. Si on reprend d'ailleurs le confinement, c'est quand même une méthode qui était déjà utilisée au Moyen-Âge. Donc comme quoi, on a quand même été puisé dans le passé des sources pour pouvoir nous informer et pour pouvoir savoir comment réagir dans le présent. Maintenant, nous sommes totalement d'accord sur le fait que l'histoire et la géographie sont tout sauf des disciplines pleines de poussière et que vous savez désormais que ce sont des disciplines dynamiques, actuelles et vivantes, eh bien nous allons pouvoir entrer sur des sujets beaucoup plus spécifiques qui vont nous intéresser. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.